Salut tout le monde, ici Mirmécante. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, ce sera une petite vidéo informative pour vous demander un petit quelque chose et pour vous proposer également une autre petite série que j'ai eu l'idée de faire, ce qui pourrait être assez sympathique. Alors, la petite chose que j'ai à vous demander, c'est si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me donner des idées sur quoi faire comme micro-tuto, hein. Donc, c'est vraiment des micro-tutos, des choses vraiment ultra basiques que des débutants peuvent faire, hein, pas des expérimentés. Alors, du coup, il faut essayer de se mettre à la place des débutants. Donc, voilà, et voir ce qui pourrait gêné. Alors, je mettrai bien sûr en description le lien de la playlist des micro-tutos pour savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai déjà fait. Voilà. Ensuite, la deuxième partie. Alors, je vais vous proposer à peu près la semaine prochaine une petite série de vidéos. Alors, ça va être le dimanche soir. Ça va faire peut-être en guise d'épisode bonus ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je verrai. Mais ça va être un peu en quelque sorte un résumé de tout ce qui se serait passé la semaine dans mes élevages de fourmis. Donc, ce sera des petites vidéos qui vont durer 1 minute voire 2 minutes, hein. Donc, ne vous étonnez pas si c'est pas d'énormes vidéos. Et bien sûr, ce sera en plus des vidéos le jeudi. Et puis, éventuellement, des micro-tutos si jamais vous avez des idées. Et bien sûr, de la série Comment bien débuter dans la myrmécologie. D'ailleurs, je vais tourner le second épisode demain, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, on est samedi. Et puis, demain, dimanche, je vais tourner le second épisode de comment bien débuter dans la myrmécologie. Donc voilà, alors c'était une petite vidéo informative, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!